بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Exercice numéro 24 sur le cours des puissances des nombres rationnels, niveau 2e année collégien, Royaume du Maroc. Recopiez et complétez les égalités suivantes. 3 à la puissance 18 sur 3 à la puissance des pointillés ici, qui est égal à 3 à la puissance 25. 7 à la puissance moins 12 sur 7 à la puissance des pointillés, qui est égal à 7 à la puissance moins 26. Puis 5 à la puissance des pointillés sur 5 à la puissance moins 31 est égal à 5 à la puissance 27. Allez, prenez votre cahier des exercices et copiez cet exercice, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions. Ça y est, on peut commencer la réponse. Allez-y, on va corriger ensemble notre exercice. Réponse. On a... Je vais étudier chaque égalité. 3 à la puissance 18 sur 3 à la puissance 6 des pointillés. Qui est égal à 3 à la puissance 25. On va chercher l'ensemble nombre qu'on va mettre ici. Je peux l'appeler, si vous voulez bien, je peux l'appeler A, si vous voulez. Et je vais chercher ce nombre A. Comme vous voyez ici, on a le rapport de deux puissances de même base. C'est-à-dire, on va utiliser la règle qu'on connaissait déjà, x à la puissance n sur x à la puissance m, qui est égal à x à la puissance n moins m. Vous voyez? Donc, il y a un lien entre 25 et 18 et a. Quel est ce lien? Oui, c'est que 18 moins A est égal à 25, n'est-ce pas? L'exposant 18 moins l'exposant A, c'est l'exposant 25. Donc ici, on a une équation à résoudre. Ça donne moins A est égal à 25 moins 18, n'est-ce pas? J'ai déplacé 18 du premier côté à l'autre côté de cette équation. C'est-à-dire, moins A est égal à 25 moins 18, c'est 7. C'est-à-dire, A est égal à moins 7. Donc, je vais effacer cet élément et je vais mettre ici moins 7. Regarde, 18 moins moins 7, c'est 25. 18 moins moins 7, c'est 18 plus 7 qui est égal à 25. Et c'est terminé. Maintenant, on va passer à l'autre question. On a 7 à la puissance moins 12 sur 7 à la puissance du pointillé est égal à 7 à la puissance moins 26. Donc, je vais chercher cet exposant. On va l'appeler, par exemple, petit b. Donc, moins 12 moins petit b est égal à combien? Oui, qui est égal à moins 26. C'est-à-dire, cet exposant moins celui-là est égal à celui-là. Vous voyez, maintenant, j'ai obtenu une équation à résoudre. Donc, moins B, je vais déplacer moins 12 à l'autre côté. Donc, est égal à moins B est égal à moins 12, moins 26 plus 12. Si je déplace un terme d'un côté de l'équation à l'autre côté de cette équation, son signe change. Donc, moins B est égal à moins 14. C'est-à-dire, B est égal à 14. Donc, j'ai éliminé le signe moins qui est ici.
et ceci est moi qui est ici. Ça donne B égale à 14. Maintenant, je peux remplacer B par la valeur que j'ai trouvée, c'est-à-dire moins 14. Moins 12, c'est 14, c'est pas moins 14. Comme vous le voyez ici, B est égal à 14. Donc, moins 12, moins 14, effectivement, c'est moins 26. Je répète, moins 12, moins 14, c'est moins 26. Passons au dernier exemple. On a 5 à la puissance des pointillés sur 5 à la puissance moins 31, qui est égal à 27. Donc, je vais poser ici, petit c par exemple, et je vais chercher petit c. Qu'est-ce que je vais écrire? Oui, l'exposant petit c moins l'exposant moins 31 est égal à 27. C'est-à-dire c plus 31 est égal à 27. Moins avec moins donne plus. C'est-à-dire c est égal à 27 moins 31. C'est-à-dire c est égal à moins 4. 27 moins 31, c'est moins 4. Donc je vais effacer c et je vais la remplacer par moins 4. Et vous voyez, 5 à la puissance moins 4 sur 5 à la puissance moins 31 est égal à 5 à la puissance moins 4 moins moins 31. Et moins 4 moins moins 31, c'est 27. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourg Zeitoun Marrakech. Au revoir.